Bien, bonjour. Eh bien, en cet après-midi, je vais vous parler des triples missions assurées par le lycée Bonneterre. J'ai de la chance, en tant que professeur de viticulture, d'être également salarié viticole, tout simplement, et réaliser donc certains travaux. Donc voilà une des premières continuités de notre établissement, assurer donc la pérennité de notre exploitation agricole avec 80 poules pondeuses, 2 chevaux, une double ponette, une dizaine de brebis avec leurs agneaux, des canards, des pintades et encore un cochon, puisque les 2 autres, nous les avons déjà délicieusement mangés à la cantine de notre lycée. Donc première mission de l'enseignement agricole, s'occuper de la ferme pédagogique, entre guillemets, et également des 21 hectares de vignes, et notamment de ce magnifique plantier qui est derrière moi. Plantier réalisé en 2019, donc une plantation d'un hectare et demi de cinceaux sur porte-greffe 110 Richter. Ce plantier a été taillé pendant l'hiver et donc nous allons installer, là, le palissage a été installé, pardon, et nous allons finir d'installer donc les bambous, attacher ces bambous, et puis au printemps, avec les collègues techniques de l'établissement, plus quelques tésas que nous allons embaucher, nous monterons ce plantier. Deuxième mission, elle ne se voit pas, ce sont tous mes collègues de toutes les matières, et je pense principalement ceux qui ont des matières d'ordre, des matières générales, qui sont donc sur Skol Info ou sur d'autres moyens de communication qui assurent donc la continuité pédagogique. Et puis là, je suis dehors également pour bien aider le personnel hospitalier. Et donc, il y a un élève dont la maman est infirmière. Et bien, ce petit jeune, nous le gardons pour faire ses devoirs sur le lycée Bonneterre. Et comme il y a, c'est un petit quatrième, comme il y a très souvent en quatrième de l'enseignement agricole des travaux un petit peu sur le domaine, et bien là, après avoir eu un petit cours de biologie de la vigne et la présentation de ce qu'était un plant de vigne, voilà, ben là, il est en train de positionner des bambous que nous enfoncerons.